Donc, bonjour Cynthia. Allô? Donc, on va attendre quelques instants que les gens se connectent sur Facebook. OK. Et puis, on va démarrer ça. Mais merci de te prêter au jeu de cette conversation en direct de ton studio, en direct de mon salon. De rien, ça fait très plaisir. Moi, mon atelier est situé à Montréal. Il est situé dans Chabanel, tu sais, ce qu'on appelle Chabanel, là. Moi, en Oui. fait, mon building d'atelier est vraiment à côté du métropolitain. Je suis comme à 20 mètres de la grosse autoroute. Ouais, c'est pas romantique. La liste industrielle, c'est pas beau. Mais en même temps, le côté industriel, les ateliers dans les secteurs industriels, c'est souvent comme ça, non? C'est romantique au sens de ce qu'on imagine de New York. Le Ouais. côté un peu brut. Ouais, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être sur De Gaspé, ça faisait ça. Tu sais, c'était vraiment immense. Mais j'avoue que Chabanel, elle n'a comme pas de poésie industrielle. Vais te présenter pour commencer, puisque là, je pense que tout le monde s'est pas mal connecté. Donc, voilà, bienvenue. Alors, Cynthia Gérard, une artiste montréalaise, tu le disais, ton atelier est sur Chabanel, qui enseigne à Concordia, à l'Université Concordia depuis maintenant 2 ans, si mon souvenir est bon. Une artiste qui a plus de 20 ans de pratique, qui a fait sa maîtrise à Goldsmith College à Londres, qui a fait plusieurs résidences aussi, New York, Paris, Berlin, Londres aussi. Qui enfile les expositions à la fois au Canada et à l'international. Puis nous, on s'est rencontrés dans le cadre justement d'une exposition qui a été réalisée au Musée d'art de Joliette en 2018, à l'automne 2018, où tu présentais une série de tableaux humoristiques ou satiriques avec des animaux qui étaient présentés en train de un peu mimer ou jouer les travers du genre humain. C'est un peu comme ça qu'on en avait parlé à l'époque. Une série de très grands tableaux, des formats un peu comme les portraits ou les tableaux d'histoire, très, très colorés. Et puis, c'est un peu comme ça que l'idée nous est venue de t'inviter à discuter de l'humour dans ton travail. Donc, en lien avec Musée en quarantaine, cette initiative que le Musée d'art de Joliette a mis en place depuis le début de la pandémie, où à chaque semaine, on annonce un nouveau thème, puis on fait des liens avec la programmation récente, la programmation à venir au musée, un peu à la manière de nos différentes saisons où on fait des liens entre les différentes expositions qui sont présentées en même temps au musée. Donc, on a pensé à toi pour le thème de l'humour et j'aurais envie de commencer par te poser la question, est-ce que pour toi, tu dirais que ton travail est humoristique? Est-ce que tu le qualifierais comme ça? Non, non, pas vraiment. En fait, ça m'a surpris. Tu m'avais invité pour l'humour. J'ai même trouvé ça, ça m'a comme presque déplu. Mais je comprends que le grand public voit mes toiles d'une façon peut-être humoristique. Pour moi, c'est vraiment plus de la satire là, que de l'humour. Comme, c'est vraiment le côté critique sociopolitique qui m'intéresse. Puis je le fais par le biais de l'humour, ou sinon, ben, sinon, ça serait très sérieux et moralisateur. Ben c'est ça, en fait. Par le biais de l'humour, on emmène toujours comme des tensions, puis aussi plus de réflexion, je trouve. Ouais. Puis des mises en situation. Moi, je prends les animaux souvent, c'est comme si c'était des êtres humains. Fait qu'on peut se voir, il y a comme une distanciation qui arrive, puis on peut se voir dans des comportements absurdes d'animaux. Ben c'est ça. Quand on discutait de ton travail, en fait, l'humour, ce n'est pas le point d'arrivée dans ton travail, mais c'est un outil, c'est une tactique pour créer des renversements de situation, pour un peu alimenter la réflexion sur des enjeux politiques. Qu'est-ce qui t'inspire? L'actualité ou où est-ce que tu prends ton inspiration? L'inégalité ou l'injustice, vraiment beaucoup, comme pour nos maîtres les fous, il y avait, tu sais, la consommation effrénée, le droit des femmes, les réfugiés, tu sais, c'est toutes des questions souvent qui sont peut-être contemporaines, qui vraiment qui m'agacent.
qui me rendent triste. Puis j'ai comme besoin à l'atelier de digérer la problématique puis de faire une œuvre picturale. Et tu choisis souvent des couleurs très, très vives. Oui. Sur des enjeux qui t'agacent ou qui t'attristent, ouais. Des couleurs vives, c'est pour un peu... Des couleurs vives, c'est vraiment la vie, là. Tu sais, c'est comme quand c'est coloré, ça nous attire comme un sac de bonbons. Je pense que comme être humain, on est encore quand même si on est rendu très, très sérieux, on est encore attiré par les couleurs, le visuel. Ça donne un trop plein de perceptions. Puis j'aime ça parce que ça nous rend un petit peu ivre. Puis veut pas, là, on peut vraiment rentrer dans le tableau. Puis moi, je suis peintre, c'est de la peinture. Donc, la peinture, c'est couleur et forme et ligne. Mais surtout couleur et forme. Donc, j'y vais à 100 000 à l'heure dans la couleur. Ouais. Aussi pour déstabiliser l'œil, déstabiliser la personne qui regarde. Il n'y a pas juste beaucoup de couleurs, mais il y a beaucoup de patterns aussi. Donc, ça crée comme une espèce de tempête visuelle. T'sais, où on peut un peu perdre le pied puis après le retrouver. Là. Ça tangue un peu. Pour moi, c'est important. Ouais, je trouve que ça donne justement, ben, au niveau de l'humour, de traiter de sujets sérieux avec des couleurs hyper vives, ça crée comme une dichotomie ou un changement de hiérarchie. Et je pense que ça crée un effet drôle, absurde. Ouais. Il y a les références aussi à la culture populaire, aux dessins animés. Il y avait les dessins animés de ton enfance, ou en tout cas de mon enfance aussi, qu'on reconnaît dans les personnages. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu fais référence dans un objectif précis? Tu as un dessin animé en particulier? Qu'est-ce qui t'attire dans l'utilisation de l'animal, dans la personnification à travers les animaux? OK. Bien, tu sais, j'ai été... Ma culture enfant, c'était beaucoup la télévision et les livres. Puis souvent, les personnages, pour parler aux enfants, leur parler de morale ou raconter une histoire, c'est souvent des animaux. Donc, comme pour les bandes animées, les dessins animés ou les livres, tu sais, j'en ai vraiment mangé beaucoup. Puis en plus, je suis très compulsive. Donc, tu sais... ça m'a marqué, ça l'a créé mon imaginaire en fait. Puis j'ai jamais vraiment, ça a vraiment créé une grosse empreinte dans mon imaginaire. Je sais pas pourquoi, puis je me reconnais en animal. Dans tes animal, tu sais, comme, tu sais, je te dirais pas en quelle sorte d'animal je te vois, mais je te vois dans un animal. En animal. Puis quand je parle, mettons, de pouvoir, je dis, on est comme des singes, tu sais, qui s'épouillent, la femelle qui époule le mâle dominant pour des groupes. Mais je vois tout en métaphore animale. Donc, c'est ça. Ouais. Dans tes livres aussi, parce que tu écris également des romans ou des récits un peu éclatés. Oui. Et souvent, les animaux ou les insectes ont un rôle aussi central. Oui. J'adore la nature. J'adore la nature et je suis plutôt solitaire, donc j'ai un chien. Puis j'adore observer les animaux, observer les comportements. Je suis fascinée par le monde animal, en fait. Je peux vous montrer mon chien si vous voulez. Est-ce qu'il est avec toi dans l'atelier? Ben, toujours avec moi. C'est comme ma muse. C'est la deuxième artiste. Elle qui juge. Puis elle vient dans les galeries, dans les musées. C'est une grande connaisseuse. Elle préfère les tableaux de biscuits et les scènes de chasse. Satan. Vous allez la voir dans mes tableaux souvent. Tout ressemble à Satan dans mes tableaux, je trouve. OK. Tu te décris comme une peintre animalière en plus. De plus en plus. Oui, j'ai décidé, ça fait peut-être 2 ans, j'ai vraiment décidé, j'ai toujours peint beaucoup d'animaux, d'observations dans mes tableaux, tout ça. D'observations ou plus de façon hors populaire. Puis j'ai décidé d'être comme avocate pour certaines espèces. En fait, 2 espèces, je m'intéresse à 2 espèces, les chauves-souris et les baleines. Qui sont deux animaux vraiment particuliers. La chauve-souris, c'est un mammifère oiseau. Puis la baleine, c'est un mammifère poisson.
la chauve-souris elle pèse 4 grammes, puis la baleine, elle peut peser 140 tonnes. 140 tonnes, c'est le poids, ça équivaut en poids à 878 humains. Puis 4 grammes pour la chauve-souris, ben c'est un dixième de palette de chocolat. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, je m'intéresse à ces deux espèces-là beaucoup, ça, depuis 2 ans. Là. C'est tes nouvelles séries, en fait. Ouais, ouais. Parce que les récits font aussi beaucoup partie de tes tableaux, au sens où les animaux parlent dans tes tableaux. On en voit un exemple derrière toi. Il y en avait aussi à Joliette, des tableaux où il y a des bulles et tu fais parler les animaux, tu leur fais passer des commentaires moqueurs un peu sur différents traits de personnalité que tu rattaches à la société dans laquelle on vit, par exemple. Qu'est-ce que tu fais dire à tes chauves-souris en ce moment ou bien aux baleines? Aux chauves-souris, c'est comme qu'ils veulent être protégés, qui ont peur comme des pesticides. C'est tous des propos autour de ça, de la conservation des chauves-souris. Oui, pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent? Des fois, mes tableaux aussi sont descriptifs, comme des tableaux pédagogiques. Puis j'aime ça comme peintre animalier aussi, de prendre un côté presque pédagogique, puis de faire un tableau avec tous les noms de chauves-souris, le poids de chacune. Ça devient beaucoup proche de l'illustration animalière. Tu sais, comme l'illustration botanique, mais celle pour les animaux. Il me semble qu'il y a un autre mot, illustration biologique? Non. En tout cas, ouais. Et puis les baleines, est-ce qu'elles sont dans tes tableaux en ce moment ou bien tu prépares autre chose? OK. Les baleines, c'est un gros projet. En fait, c'est un immense projet parce que mon personnage principal, c'est une baleine de 23 mètres, une baleine bleue. Ça va être présenté à la Fonderie Darling sous l'invitation de Ji-Yoon. Ji-Yoon, qui est commissaire à la Fonderie Darling. Puis ça va avoir lieu en septembre. Donc, je ne veux pas trop vendre tout le punch, oui. Mais je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Fait que les enjeux de conservation, la beauté, la fascination pour cet animal-là, la curiosité au niveau de l'anatomie, des comportements, les caractères fascinants, puis aussi la tristesse de voir que ces espèces-là, certaines sont menacées. Donc, c'est un amalgame de tout ça. Ouais. Donc, on le disait, l'humour, c'est pas vraiment le point d'arrivée dans ton travail, c'est vraiment une tactique. Un autre moyen que tu as utilisé, parce que tu as fait des performances, en 2018, justement, il y avait l'exposition à Joliette, mais il y avait aussi l'exposition à la Galerie McClure, puis tu avais fait une performance, une lecture d'un petit zine que tu avais réalisé à l'occasion. Quand tu fais des performances, il y a tout un costume que tu mets en place, donc ça va vers la pantomime dont on a déjà parlé, l'imitation, qui sont aussi d'autres tactiques un peu humoristiques pour pointer des travers particuliers de la société. Oui. À la galerie McClure, j'étais déguisée dans un gros habit de jute, dans la fourmi qui travaille dans la fable de la cigale et la fourmi. Puis mon chien, elle était déguisée en cigale. J'avais fait, elle, un très beau costume très féminin de cigale. Puis le mien, il était vraiment comme une grosse ouvrière. C'était de la grosse jute brute, tout ça. Donc, j'aime beaucoup me costumer, en fait. J'aime être les personnages de mes tableaux. J'ai été vraiment marquée enfant. J'ai peut-être été trop marquée par les émissions pour enfants. Ma femme Freluche, c'était la fin du monde quand j'étais jeune. Puis elle rentrait dans ses livres. Puis elle allait vivre les histoires. Puis après, à la fin, elle essayait toujours de revenir, de s'enfuir, de ressortir du livre. Puis ça m'a toujours fascinée de pouvoir vraiment rentrer dans un monde. Donc, souvent, j'ai des tableaux, mais je veux créer une installation où on entre vraiment dans une vision d'un monde particulier, ouais, où on peut personnifier. Est-ce que c'est quelque chose que tu explores encore, la performance? Est-ce que tu travailles là-dessus en lien avec tes tableaux sur les chauves-souris ou est-ce que c'est à l'occasion, en fait, plutôt d'exposition que tu dis « Ah, je pourrais... » faire pour le vernissage une performance qui vient donner vie à ces tableaux-là dans l'espace expo? En général, c'est au vernissage. C'est comme où je viens donner vie au tableau. J'écris souvent un poème pour le vernissage. Je me fais un costume en papier.
puis je deviens un animal. Souvent, après, je vais laisser le costume comme une sculpture, comme un accessoire sculptural dans l'exposition. Donc, ouais, ça vient toujours à la fin. C'est toujours comme la dernière note. De ton processus de création de la série. Trois dernières semaines où je vais faire le costume, le poème et le zine, en général. Ouais. Cette fois-ci, pour mon expo de baleine, ben, je ne suis pas encore très, très certaine, mais j'ai invité plusieurs de mes amis à les costumer en phoque. Puis, elles seraient, c'est ça, au sol, mais tout étendu de leur long, sous format de phoque avec un beau costume en papier, puis un petit peu. Pour créer un paysage étendu. Oui, c'est un grand regroupement de phoques à la fonderie Darling. Je trouverais ça vraiment beau. Puis on a une grosse baleine en haut. Fait que c'est comme des phoques sous-marins. Mais là, avec la COVID, je ne suis pas certaine que... Je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pouvoir... on va voir comment ça va aller. Puis bien, il y avait une baleine. Je pensais à toi ce matin, justement, en lisant dans le journal. Il y avait une baleine dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal cette fin de semaine. Oui. C'est allé la voir... s'amuser parce qu'elle a fait toutes sortes de pirouettes. Oui, on ne sait pas qu'est-ce que les pirouettes veulent dire, qu'ils disent en journal. Puis ouais, moi, je suis allée la voir hier à l'est du Pont-Jacques-Cartier. Puis on voyait bien sa queue sortir, tout ça. C'était vraiment fascinant. Oui. Dans ton travail? Oui, c'est vraiment une grande... Il y a tellement de choses à dire. Oui. Dans ton travail, il y a aussi beaucoup de retournements de situation. Entre autres, l'humour vient de ça, de la surprise que des retournements de situation dans les tableaux qu'on décode à travers les mots, à travers les actions que tu fais poser aux animaux qui font penser à des êtres humains dans certains types de comportements particuliers. À partir du moment où les tableaux sont plus pédagogiques ou sauvegardent, tu sais, si par exemple, tu disais pour les chauves-souris, c'est plutôt mettre l'accent sur nous faire comprendre mieux leur mode de vie puis nous faire apprécier ces animaux-là qui sont un peu mal aimés parce que qui font peur d'une certaine façon. Les chauves-souris, c'est pas exactement séduisant comme animal. Est-ce que tu joues quand même sur cette idée de retournement de situation à travers les tableaux ou c'est quelque chose qui s'est plutôt... développé dans les séries antérieures? Non, je pense que ça continue. Parfois, j'ai un programme, je me dis que je voudrais vraiment faire de la peinture documentaire, mais j'ai comme un travers. Tu sais, c'est comme mon goût. Tu sais, toute ma pensée, quand je crée la façon de déplacer, de créer des tensions, c'est souvent sous la forme de satire. Donc, c'est vraiment ma façon de réfléchir, puis de déconstruire, de reconstruire différemment ou d'amener un propos. Donc, parfois, j'essaie que ça soit encore plus documentaire, mais ça déborde toujours. Ça déborde dans un monde fantastique. Puis aussi, c'est le plaisir de peindre qui déborde aussi, qui est une grande joie aussi. Oui, parce que... Ben, tu sais, je pense beaucoup à Picabia, qui a fait beaucoup de toiles absurdes avec des mots. Il y avait des choses vraiment drôles. Tu sais, dans le temps des surréalistes, il y avait beaucoup de peintures avec des mots. Puis la caricature, l'humour, ça l'avait beaucoup teinté, entre autres du chant au début de sa carrière, tout ça. Donc, c'est vraiment une façon de penser la peinture. Puis d'ajouter image et texte, de ne pas faire une dichotomie que le texte ne doit pas appartenir à l'image ou au tableau, mais que les deux peuvent se réunir. C'est sûr que dès qu'on met du texte, c'est ça, ça devient comme un journal, ça devient plus satirique. Ça appartient vraiment aux caricatures comme qui sont faites pendant la Révolution française. Mmh. Oui. Oui, donc tu le dis, la caricature pendant la Révolution française vient associée aux journaux, donc à l'espace médiatique. Le côté politique de la caricature, c'est vraiment ça qui t'intéresse. Oui, complètement. Oui. Je trouve que la satire, c'est une façon de rire des choses, mais pas de rire innocemment, mais de rire avec un contexte puis une pensée critique. Oui. On dit parfois qu'il y a une forme de méchanceté dans la caricature ou dans la satire. Tu sais, ça pique à l'endroit où ça fait mal. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis quand tu peins ou bien
Ouais, c'est comme l'humour noir, le être sarcastique, la satire, la caricature. Mais c'est une façon vraiment de, en anglais on dit embody, de donner corps à la critique, mais d'une façon drôle. En fait, je trouve ça vraiment plus intéressant, la satire, mettons, que l'art ludique. Mm. L'art ludique, ça ne m'intéresse pas du tout, même que ça fait yark. Je déteste l'art ludique, en fait. Je déteste ça quand c'est comme drôle, mais que ça n'a comme pas de... Justement, ça n'a pas de piquant, ça n'a pas comme une petite lame qui vient couper ou qui vient faire mal. J'aime ça quand il y a un côté, tu sais. C'est des sujets qui me touchent vraiment, qui me blessent. Puis j'ai comme besoin de, tu sais, de les retravailler. Je peux pas être juste... Je peux pas faire de l'humour comme trop bonbon. Il faut vraiment qu'il y ait un côté... un petit peu surette. Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Le rire jaune un peu. Ouais. Parce qu'en même temps, tu ris de la société dans laquelle on vit, donc de nous, d'une certaine façon, à travers ça. Pas méchamment, mais je veux dire, tu fais ressortir les travers de tout ça. Mais tu sais, dans une tradition aussi comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, les frères Groucho Marx, les frères Marx, tu sais, tout au début du cinéma, c'est vraiment dans ce slapstick. C'est slapstick, le guignol, Judy and Punch, c'est vraiment une façon de rendre ça excitant, d'être critique, mais par l'humour, puis de rendre ça vraiment drôle, excitant, triste à la fois. C'est un monde en soi, une façon de penser, je pense. En fait, je pense que c'est vraiment une façon de penser. Il y a des questions qui rentrent sur le, sur le blog. Ouais. Une question de quelqu'un qui se demande, est-ce que ça s'enseigne, la satire? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu t'enseignes à l'université, à tes étudiants? Est-ce que vous en avez discuté ou... Non, je pense pas que ça s'enseigne du tout. Je pense que c'est impossible à enseigner. Je pense que c'est un état d'esprit. Puis je pense que c'est un être au monde aussi. Je pense que c'est vraiment une façon, son rapport au monde. Je pense que ça s'enseigne absolument pas. Ouais, malheureusement. Pas pour être élitiste. Mais c'est culturel aussi, hein? C'est vraiment une qualité d'être satirique, mais je pense pas que ça, c'est vraiment un rapport au monde, mais je pense que comme artiste, on a un rapport au monde. Puis la façon de s'exprimer peut venir de toutes sortes de façons plus conceptuelles, plus formelles, plus satiriques. C'est vraiment une façon de s'exprimer puis d'exprimer ce rapport-là. Puis ça, je trouve que c'est un lien, c'est difficile, ça serait difficile à maniérer. Ouais. Puis quelqu'un demande aussi c'est quoi l'importance pour toi du renard? Parce que il y a aussi ça en 2018 quand on a fait l'exposition ensemble, tu venais de sortir un nouveau livre et puis tu l'as signé Cynthia Gérard Renard. Pourquoi le renard, cet ajout-là de ce personnage? Est-ce que tu te vois en renard peut-être? Oui, je me vois en renard en fait. Ben, mon livre, il était signé Satan Narval. Fait que Satan, c'est le nom de mon chien, mais c'est aussi Narval, ben, c'est l'animal que je trouve vraiment fascinant, le Narval, avec sa grande corde. Puis aussi, ben, mon vrai nom dans le livre, c'était Cynthia Girard Renard. Ouais, j'ai aimé ajouter Renard, je voudrais effacer complètement Girard, là, parce que je me disais, pourquoi? C'est un patronyme, le nom du père, mon nom de famille. Puis je me disais, ça reprend tout comme... Imagine, les hommes, tu sais, une succession d'hommes, puis les femmes sont oubliées à chaque génération. Puis je trouve ça comme pas pertinent. Puis aussi, comme artiste, j'aime le côté poétique, qu'on puisse être pas complètement institutionnalisé, mais qu'on trouve des espaces de folie. Pour moi, c'est important. Donc, le renard, oui, j'adore la figure du renard. Étrangement, avec mon frère, qui était le plus proche de moi, on adorait le renard dans Le Petit Prince. C'était un être effarouché qui était difficile à apprivoiser. Puis je me rappelle, on en parlait souvent. Puis c'était très, très important. Oui, c'est mon animal. C'est un animal fétiche. Et... Moi, je suis un gros renard de Dieu.
Mais avec tes cheveux roux. Ouais, puis aussi, je suis rousse, tu sais, de nature. Donc aussi, ça, c'est une autre façon. Oui. Alors, laisse-moi juste voir vite, vite d'autres commentaires. Des commentaires sur les très belles couleurs de tes peintures à l'arrière parce qu'on les voit bien. Oui. Les nouvelles peintures que tu es en train de réaliser. Tu me parlais aussi la semaine dernière de cette grande, parce que tu peins sur toile, mais tu peins aussi sur des toiles libres qui deviennent des bannières. Donc, le côté politique, mais aussi le côté théâtral un petit peu. Je me souviens de voir des expositions où tu les suspends dans l'espace, ces toiles, et ils deviennent un peu des décors de scène. Donc, ça ramène à cette idée de commedia dell'arte ou bien pantomime. J'ai vraiment comme des peintures scéniques souvent. Oui, c'est comme ça. Des bannières, les deux. Comme des bannières et des peintures scéniques. Puis je me disais, pourquoi les peintures scéniques, c'est pas de l'art? Fait que j'avais envie de faire de l'art des peintures scéniques. Donc, d'amener la peinture, j'essaie toujours de déplacer la peinture vers la caricature, vers l'art documentaire, le documentaire, déplacer la peinture. J'essaie toujours d'amener la peinture aussi de façon presque satirique, de la détrôner, tu sais, de son espace usuel, puis de l'amener dans des drôles d'endroits. Au début de mai, j'avais fait toute une série sur la peinture d'histoire. J'étais peintre d'histoire. Comme maintenant, je veux être peintre animalière. Ouais, donc c'est de prendre des positions qui semblent vétustes, un peu archaïques aussi. J'aime vraiment ça. Revisiter. Ouais, les revisiter, tu sais, ça semble complètement dépassé. Puis j'aime vraiment reprendre ce costume-là comme peintre, être peintre animalière, puis prendre une tradition qui a vraiment été laissée, qu'on a laissée tomber, puis de venir essayer de la repolariser dans le milieu de l'art contemporain. À un moment aussi, peinture animalière, à un moment où on regarde de plus en plus, un des défis les plus importants, c'est les défis écologiques qui nous attendent. Donc, encore une fois, un côté, tu sais, tu ne fais jamais une seule chose, c'est-à-dire tu es peintre animalière, mais en même temps, il y a toujours un côté politique qui est associé à ça. Enjeu de biodiversité, oui. Je peux vous montrer peut-être si tu veux. Est-ce que vous voyez bien la toile dans le fond? Ben ouais. Ça, c'est ma dernière toile que j'ai faite pendant la COVID. Mais j'avais envie de faire une toile qui adressait. Fait que vous pouvez voir des pangolins puis une immense chauve-souris en haut. Puis des doigts qui pointent comme si c'était eux les coupables. Mais en fait, quand on s'approche, on voit que le virus il est plus comme un virus de super... d'un capitalisme vraiment avancé. Là. Il y a Netflix. J'ai Amazon ici, ici. Oui, c'est ça. On voit le symbole, en fait, à l'intérieur du virus. Puis Google. Ouais. Parce que, tu sais, je me disais, tu sais, la biodiversité, tout ça, nos modes de vie, ben, aussi détruisent un peu la nature. Ces grosses compagnies-là, c'est peut-être pas les plus respectueuses de l'environnement. Donc, il y avait tout ce jeu-là, en fait. Ouais. Celle-là, c'est plus comme un... Oups, pardon. Elle, ici, c'est plus comme un gros sac de bonbons. Elle est complètement toile. Il y a vraiment trop de choses. Les gens me disent souvent d'arrêter dès le début de ma toile. En général, quand je fais le fond, puis ils disent « Ah, c'est assez, c'est beau, c'est une toile, c'est beau. » Il y en a comme ça qui en ont vraiment beaucoup. T'es généreuse. Oui, je veux comme être étourdie. Je veux pas avoir un rapport, tu sais. Je veux être étourdie par l'espace pictural. Puis ça demande, dans mon cas, ça demande beaucoup de patterns, trop de choses qui se passent. C'est souvent associé au mauvais goût, mais parfois le mauvais goût, il est vraiment bon. On est tanné du bon goût parce que c'est trop stable, on le connaît bien. Le mauvais goût, ça peut nous amener dans des drôles de zones. Oui, ça nous surprend. Ça nous surprend, ça nous fait repenser différemment, dans mon cas, à l'univers pictural. Ouais. Oui, puis au jugement de valeur aussi. Ça nous surprend puis ça nous fait revisiter tous nos a priori. Ouais. Alors,
Une autre petite question de Chantal Girard qui demande « Que penses-tu des peintres animaliers classiques comme Robert Batman? » Ah, ben c'est très beau, là. C'est très beau, c'est une peinture très, très minutieuse. Les détails sont, tu sais, les détails sont très beaux. Mais je vois pas l'esprit, c'est vraiment l'esprit de... C'est vraiment une belle peinture d'observation. Moi, je suis ailleurs, en art contemporain, je trouverais ça difficile de pas amener un aspect critique par rapport à ce que je veux faire. Je trouve que c'est un super peintre, il est presque comme un artisan. Puis sa technique est parfaite. Moi, j'aime les techniques imparfaites, j'aime les choses qui débordent. Donc, pour cette raison-là, c'est différent, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça beau, mais ça ne m'influence pas réellement. Parfois, dans certains tableaux, des petits détails, miniatures, oui. T'sais, là, c'est vraiment la peinture animalière classique, avec toutes les petites... on voit toutes les plumes, tout est bien, bien. Mm-hmm. Pour certaines parties de mes tableaux, ça peut être vraiment pertinent, mais pour l'ensemble, moins. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui demande... penses-tu refaire quelque chose comme la canne de soupe aux pois d'il y a plusieurs années? OK. J'avais fait une immense canne de soupe aux pois habitant là, qui faisait 9 pieds de haut, 8 pieds de haut, pour une expo à Skoll en l'an 2000, il y a 20 ans. Puis ensuite, je l'avais amenée, je l'avais modifiée en cabane à pêche. Ah, voilà! Sur la rivière des Mille-Îles avec un petit poêle, puis une cheminée, puis une porte. Puis on a passé l'hiver à la pêche sur la rivière des Mille-Îles. Ben, en fait, c'est une belle question parce que je pensais cet été faire comme une roulotte, me faire une roulotte. Mais j'aurais aimé ça qu'elle soit en forme de palette de chocolat. J'achète un trailer comme chez Home Depot puis me faire une belle roulotte ronde. Et, mais en forme, tu sais, en forme, c'est ça, d'un contenant, un contenant un peu pop, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Bien, en ce moment, en tout cas, tes tableaux qui nous font réfléchir, mais en même temps qui nous font sourire, ça fait du bien. C'est... Oui, ça fait du bien parce que ça donne de l'énergie. Toutes ces couleurs vives, moi, je trouve que c'est une des choses, c'est que ça nous secoue puis ça donne quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. OK, ouais. Ouais, ouais, puis dans le fond, moi, je veux... Tu sais, c'est un message combatif que je veux donner. C'est pas un message... Je veux comme que les gens soient vigoureux. Je veux que mes toiles soient vigoureuses puis qu'ils donnent envie de s'investir, de vivre, envie de protéger, mettons en ce moment, envie de protéger les animaux menacés, tout ça. Donc, je veux montrer, ouais, un côté vraiment vigoureux. Mais je pense que c'est une super belle fin, ça, la peinture comme et la couleur dans un esprit d'appel à l'action puis à l'investissement. Je trouve que c'est une belle façon de terminer cette discussion. Oui. Merci tellement de t'être prêté au jeu, de nous présenter aussi, de nous donner accès à des tableaux en cours de réalisation, de nous faire entrer dans ton univers. Et puis, bien, on aura très hâte de voir la nouvelle exposition qui s'en vient à la Fonderie. Donc, c'est le prochain projet que tu présentes, c'est à l'automne. Oui, puis mais je peux vous donner juste un petit avant-goût, là, mais je ne veux pas tout vous montrer, mais juste la queue de la baleine. La voyez-vous ici? Oui, oui, oui. Il y a deux mains qui la tiennent. Oui, oui. C'est juste la queue. Parce que la baleine, tout en papier, elle fait 23 mètres. C'est ça que vous allez voir en septembre si vous venez. Oui. Donc, il faut rester à l'affût de l'annonce. Vous pouvez aller voir la vraie baleine. Oui, ça aussi. On espère qu'elle ne reste pas trop longtemps parce que supposément que ce n'est pas très bon pour elle, l'eau douce, trop longtemps. Mais on peut l'apprécier encore quelques jours peut-être. Et puis, ben, je suis ravie de cette conversation. Merci beaucoup. C'est un plaisir de travailler avec toi au Musée de Joliette quand j'ai fait mon expo. Puis c'est toujours un plaisir de te revoir. Puis merci à tout le monde qui a écouté l'entrevue. Ça me fait plaisir que vous suiviez l'art. Puis je souhaite à tout le monde un bel été. Oui! Plus de chaleur peut-être! Aujourd'hui, oui! Oui, oui. Mais à bientôt, Cynthia.